Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Foundation. Notre petit village, dans notre magnifique petit village, après 3 mois, 1 semaine et 6 jours d'installation. Oui, c'est ça, d'installation. Alors. Où tu sais qu'on en était? Ah oui, on avait mis des trucs à construire, dont une cabane de pêcheur. Je suis en train d'y penser, mais qui dit cabane de pêcheur dit il faut que je fasse un deuxième marché. Il est où le centre de mon marché? Excusez-moi. Les fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. Construction libre, étal de marché, voilà. Notre étal de marché de nourriture. On va mettre juste. Bon, ici, c'est bien. Hop là. On va recruter cette personne. On va le mettre en priorité, ce marché. Ici, on va assigner le villageois. Au niveau des zones, on est comment? On est bien. Ici, on va devoir mettre du poisson. On va signer un deuxième villageois. Bonheur est pas terrible, c'est nourriture et service. Confort. Ah oui, il y en a deux, trois maisons en construction. Ou en rénovation, enfin. On va faire passer un peu de temps, hein. Parce que on va entrer dans une phase de stabilisation, surtout dans une phase où je devrais faire une église. L'église, elle pourrait être pas mal ici, hein. Sur la plage, tranquille, sympa quand même. Sors de l'église, t'es prêt à bronzer. Oui, c'est la belle vie, hein. Encore un peu d'outils, c'est bien ça. Entrepôt. Ah bah tiens. Ah j'en ai mis un. Un temple de travailleurs, bah il est là mon. Ah mais j'ai pas de bois. Ceci explique cela. Ah oui, bah oui, mon bois il est là-bas. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. J'essaie de jarter un peu tout le bois qui est là-bas. Là je vais garder une forêt là. Si je pouvais mettre des chasseurs ou des trucs comme ça, ce serait pas mal. Là, j'ai une plaine pour faire de. Ah, du blé, d'agriculture. La production de poisson, elle est sympa quand même. 8 à chaque fois qu'elle va pêcher. Avant, c'était 1 au tout début. Peut-être pas au tout début, mais je me souviens quand j'y jouais à l'époque, il y a peut-être 1 ou 2 ans. C'était un seul poisson à la fois. Oh purée! Là, fallait avoir un rivage entier de pêcheurs. Et je sais même pas si c'était vraiment utile, rentable ou je sais rien. Allez, on va assigner du poisson. On va assigner un travailleur. On devrait augmenter un petit peu le bonheur de nos villageois à terme et avoir bah, aucun malus sur nourriture. C'est le but, quoi. C'est mon but. Elle est dans sa maison avec une pioche. Une mineuse. C'est bien ça. Notre cueilleur, ils sont combien? Ils sont emboîtés là. Ah ouais, ils sont emboîtés là. Hop, le poisson, il se fait ramener. Mon poisson, il est frais mon poisson. Je suis sûr de la fraîcheur hein, en vrai. J'en ai 37. J'en produis beaucoup plus. Il ne doit pas être de toute première fraîcheur. Hein. Regardez, la nourriture.
Moins 6%, j'étais à moins 20% il y a quoi? Il y a une minute. Comme quoi, ça marche bien. Hein. Au niveau du confort, on n'est pas trop mal. 6 moins 9 en vrai. Il va falloir accélérer la construction. Le problème, c'est toujours le même, c'est le bois. Voilà, il y a ça que je peux faire, c'est débloquer une route commerciale. Et je pourrais acheter des outils, entre autres. Monnayant des planches, des pierres taillées, des baies. Parce que je pourrais pas, hélas, produire grand-chose d'autre. Au niveau des constructions, qu'est-ce qui manque? L'entrepôt, je crois que je l'ai fait, il est en train de se faire. Hein. Camp forestier, il est là. Ça j'ai la hutte de chasseur, mais non. La boucherie non plus, vu que j'ai pas la hutte de chasseur. Ah oui. Ah ouais, je vais devoir faire l'église. Hein. Est-ce que je peux augmenter quelque chose? Non, tiers état, noblesse, clergé, édit, privilège. Moi, j'ai rien du tout. Suppose que là, prendre un terrain, ça prend de l'entretien, on va éviter. On va éviter le bonheur des villageois. Et... Pas mal. J'hésite à faire un deuxième campement de... Ouais, allez, je me fais... De toute façon, dans tous les cas... Dans tous les cas, je vais en avoir besoin. Tu sais quoi, je vais faire mon campement ici, là. Le mettre en priorité à construire. Déjà? Ah non, c'est un camp forestier. Je me disais, attends, comment ça? Alors... On va pas mettre de pain. Pilier, chêne, sycomore. Allez, ça me va. Hop, et là je vais pouvoir. Faire ça. Vu que je vais avoir. Bah, deux campements de bûcherons. Hop, il est venu dans le village. De 1, je vais produire plus de bois. Et de 2, bah, un se chargera de cette zone-là et l'autre se chargera de cette zone-là. Ils vont au plus près. Hein. Ils vont au plus près. Ils vont pas couper du bois trop loin normalement. Ce qui fait que je vais pouvoir recruter un deuxième, un troisième menuisier. C'est vrai qu'on manque de planches. Ensuite, je laisserai faire les maisons. Et j'enchaînerai sur l'église. Avant c'était bien parce que quand on vendait des trucs au marché, on prenait de l'argent. Là on n'en prend plus. On est obligé d'être taxé comme des pauvres quoi. Bah les maisons là ça pousse d'un coup là. Vroom, 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 vroom. Oh, et bienvenue les mecs. Hein. Aux bûcherons qui vont s'installer là et qui vont devoir déménager pour partir là-bas quoi. C'est pas de chance hein. Au niveau de la nourriture, ça a l'air de suivre, ça c'est important.
Alors, on va devoir transporter des planches, du bois, des cailloux et à terme des outils. Donc autant voir ce qu'il faut. Mettre trois transporteurs. Et j'en recruterai un à l'arrivée de futurs villageois. Pièce manquante. Ah, oui, bah c'est du bois. Quoi? Comment ça tu manques de bois toi? J'en ai 20, j'en ai 30 en stock. Oh la vache, oh les maisons, ça pousse. Oh. Magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Vu que je vois que là que j'ai. Je sais même pas d'entretien de quoi. C'est l'entretien de quoi qui me coûte. Grenier? J'ai même pas de revenus. Grenier et cabane de pêcheur. Moins deux. Je sais pas pourquoi j'ai de l'entretien, je sais pas dans quoi. J'ai perdu un, c'était le mois précédent. Dans une dernière, ouais, journée. Ai... 80%, yeah. Ah bon. 100%, moins 20, moins 1, égale 80. Bien. Ok, tout le monde a sa maison, ça c'est cool. Donc il n'y a plus que les services. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir débloqué. D'avoir 20 planches pour pouvoir débloquer la route commerciale avec Northbury. Pour cela, il me faut 20 planches. Voilà. Ça m'ajoute de la splendeur, mais surtout, ça me permet de commercer. Alors, ce qu'on va faire au niveau du commerce, c'est que déjà, on va accueillir les nouveaux villageois. Est-ce que j'en ai besoin? Je crois que j'avais pas assez de travailleurs partout. Bâtiment grenier. Non, pas besoin de plus au grenier. Alors, ressources. Ressources, voilà. Les baies. Je vends. Tant que j'ai plus de 50. Le poisson. Non, le poisson, il n'y en a pas. Les planches. Et la pierre. C'est la pierre sculptée. Taillé ou pas? Pareil, je vends jusqu'à ce que. Je sais plus si c'est de la pierre taillée. Ah, c'est de la pierre taillée. Bon, ça sert à rien de vendre la pierre. Bon, je vais vendre des planches et des poissons. Et surtout, je vais acheter. Et ça a piqué. Des outils. Acheter jusqu'à ce que j'en ai 50. Je veux du rap d'outils. Hein. Avant tout ça, je vais construire l'église. On passe au reste de la suite, comme on dit. Que je vais mettre ici. Hein, ça sera bien. À moins que je la mette là. Elle peut être pas mal ici. Hein. Voilà, c'est plus plat. Il y a une bonne concentration de village. Je vais la mettre là, un peu en hauteur. Elle ne sera pas facile pour l'agrandir. Non, non, non. Mission board, mission board. Que me veux-tu? Le prévôt cherche à réparer quelques ponts à travers le royaume. Un de ses marchands a remarqué vos campements de bûcherons et veut vous faire une offre. Cas de succès, ça me donne de l'or et du. Ah, je sais pas comment ça s'appelle ça. L'influence envers le tiers d'État. Somme à mon échange. On va essayer d'accumuler ce qu'il faut en bois. Oui, tiens, d'ailleurs, j'ai vu que j'avais débloqué pas mal de choses. Hein. Des haies, des ensembles pour tiers d'État. Fort militaire, tout. Monastère. Monastère sera plus tard.
Alors j'ai une consommation de bois. Ah oui, bah oui, par là. Construire une église rustique, construire le manoir. Faire l'église rustique, hein, de toute façon. On va recruter. On avait dit plus près, plus par là, l'église. Alors oui, plus par là, mais... Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir, mais les habitants, ils vont pas trop... Ah si, bah si. Il y aura une partie... Allez, en face de la place du village. Ici, avec bien évidemment une bonne petite porte, hein, faut pas déconner. Voilà. Un clocher, alors désolé, j'ai pas mieux qu'un clocher en bois pour l'instant. Je demande de la pierre, je demande du bois. Je vais attendre avant de valider. Parce que j'aimerais bien valider. Pardon? Entre... Ah, oui, ah non, c'est pas l'entretien. Je vois moins 33 là. Hop, on a validé, le bois est livré. On a gagné de l'influence et des pièces d'or. Et on va pouvoir valider la construction de ce bâtiment. L'église se construit. Il est rapide avec son cheval, le cheval, c'est génial, hein. Du pain? J'ai pas de pain. Non. Améliorer la route commerciale avec Northbury. Non, du pain, j'en produis pas. Améliorer la route commerciale. Nouveau contenu à débloquer. Plus 25 capacités commerciales par élément. Oh. Ça, c'est bien, ça. Allons voir, est-ce que je peux... Ouais, tout ça, je peux le faire. Tout ça, je peux améliorer. Tailleur de pierre. Ça, c'est intéressant, le tailleur de pierre. Est-ce que je vais pouvoir le vendre? Donc on va faire un campement de tailleur de pierre. Pas trop loin du lieu de stockage. Parfait. Et là je crois qu'il est plein lui déjà. Hein. Donc je vais faire un autre entrepôt. Ça j'ai pas trop le choix. Hop, juste à côté du tailleur de pierre là. L'église qui se construit vite, hein. Ils veulent une église rustique avec des cloches en pierre, mais bon, bah, je vais pas inventer les cloches en pierre. Bon. C'est, je suis fort désolé, mais à moins que, bah non, non, non.
agriculture, ça va venir, ça va venir. Bon, il me faut encore acheter 10 outils, ça va me coûter une blinde. Déjà, il m'a acheté des baies, beaucoup. Et il m'a livré mes outils, bon. Je sais, ça je sais. Ça je sais. Ça je sais. Et améliorer les coups de Marsal, parce que ça, c'était pas ça dans... Il n'y avait pas dans la précédente version. Hop, bienvenue. Besoin. Manque de ressources matières. Non, je sais pas où. Même pas fini de construire, qu'il y a déjà du monde qui va à l'église. C'est quand même magnifique. Hein. L'église rustique construite. Mais toujours pas de clocher en pierre. C'est pas grave. Est-ce qu'au niveau de la bouffe, ça suit? Ah, j'ai l'impression qu'au niveau de la baie, c'est. Lui content. Le clergé est satisfait. Il ne bloque rien, c'est pas grave. Pas bien grave pour l'instant. Ah oui, j'ai personne dans le. Ah mais non, c'est mal, il n'est pas encore fait. Il n'est pas encore fait. Bah si, il est fait. Hein. Bah alors, pourquoi? Ah, il faut un roturier! On va vous obtenir une promotion, alors attendez. Hein. Promotion des villageois. Faut pas. Ah, c'est ça une grande salle. Il faut une grande salle. Ah merde! Ah c'est con ça! Eh ben on va faire une grande salle. On va faire une grande salle, là il n'y a pas trop le choix. Voilà, manoir, et puis on va le foutre là, le manoir. Pile entre les deux. Et j'ai créé la grande salle. Hop, s'il y a quelqu'un qui vient, c'est par là. Et la porte d'entrée rustique, il n'y a que ça. Normalement. À partir de là, je pourrais promouvoir des villageois. Les zones résidentielles, ça donne quoi? Pour l'agrandir, la zone résidentielle. Là comme ça, là, après ils voudront pas trop. Voilà. Si jamais ils ont envie d'aller dans la flotte, qu'ils y aillent. Si jamais ils ont envie d'aller là, qu'ils y aillent. Voilà. Au niveau de l'extraction, par contre, tout ça, je peux le retirer. Oh. Voilà, et là, pareil. Là, devant l'église, ils vont pas dire non. Extraction, hop, tac. Et ça, je retirerai dès que... Ah bah c'est bon. Attends, ils arrivent à couper du bois? Ils sont bizarres. Sélectionner une fonction. Non mais c'est bon. Hein. Oui. Que veux-tu? Je suis en train de me serviteur. Oh, c'est bien ça, de l'or. Ça. On détruit le bâtiment et on va le reconstruire ailleurs. On va le faire là-bas, le campement de bûcheron. Hop là, qu'est-ce qu'ils me veulent? Mandat. Promouvoir les villageois, statut le plus élevé. Et eh bah, ben, vous savez quoi? Ce sera le premier de la liste. Ce sera Vaivictis. Vaivictis. Tu es bâtisseur, bah tu changeras de métier, tu deviendras tailleur.
Parce qu'il faut que tu sois roturier. Vae victis. Ouais. C'est bien. Tu vas devenir tailleur de pierre. Voilà, le premier tailleur de pierre du village et le premier roturier du village. Félicitations à toi. Mais par contre, il faut te remplacer. Mince, Vae victis, tu étais bâtisseur. Donc, bâtisseur, c'est là. Alors, tu ne peux pas avoir un double métier, Vae victis. Ouais, c'est le temps que ça se mette en... Voilà. Tu es remplacé. Hop, et dès que j'aurai besoin de... bah, d'un nouveau poste comme ça, et bah, on reprendra la liste, hein, pareil, au hasard. Et hop, ce sera une petite promotion. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voyons voir qu'est-ce qu'on va pouvoir construire d'autre. Voie commune. Avec tout ce qui est agriculture qui est pas mal aussi. Un bailli. Ça si ça peut être utile un bailli. Petite tour rustique. Hop. Il faut vraiment une porte à ma tour rustique. Ah ben. C'est collé, mais c'est pas grave. Allez. Hop là, cliquer pour assigner bailli. Alors oui, pour le bailli, du coup, je vais avoir besoin. Et ben, ce sera Skippy. Ah ben, notre bâtisseur. Eh ben, dis donc, bâtisseur, ça. Ça va bien, hein. Par contre, bah oui, tu seras peut-être pas content, toi. Confort, divertissement, marchandise. Attendez, on... C'est vrai que j'ai pas pensé à tout ça, mais ils ont des besoins supplémentaires auxquels je n'ai pas forcément pensé. Donc on va attendre un peu. Avant de continuer. Wouah! Ah ok, c'est un achat qu'est-ce ça. Ah, j'ai pas assez de baies, regardez, je produis pas assez de baies. Je vais hop, faire une deuxième cabane. Non, on va manquer de nourriture. Oui, pourquoi ça marche pas? Ah zut. Il y a eu un clic sur un autre écran. Dommage. On construit. Que me veux-tu? Les aînés, les hommes et femmes les plus respectés parmi les ouvriers de la région et écouter ton village et souhaite se rendre utile à ton peuple. Ils apportent des cadeaux de bienvenue, des outils pour soulager le quotidien de tes villageois et ont promis leur assistance à l'avenir. C'est cool ça. Je prends soin de mon peuple, j'essaye du moins. Ouais, je fais tout ce que je peux. Alors, hop, priorité à ça. Comment ça, j'ai plus de bois? Ah zut, ah mes zones d'extraction, elles sont nulles. Ouais, désolé. Hein. Hop. Là, vous allez me dire, oh, on n'a plus accès. Oh, oui, je sais, désolé. Voilà. Ils sont jetés dessus. De nouveau. Avec quelques problèmes d'approvisionnement en bois, hein, j'ai... Ah,
n'a rien vu, on n'a rien vu. Si, zut. C'était pas volontaire. Hein. Si, non. Ah, pour le coup, je peux vous le dire, c'était pas volontaire. Hop, on peut agrandir un peu. Alors, elle, si elle n'est pas pêcheuse, ouais, voilà. C'est vraiment installé juste à côté. Là, pour le coup, elle est bien. Allez, je vais terminer ici l'épisode pour aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. On aura quand même pas mal agrandi le village. Et commencer un peu de commerce. Le but dans le prochain épisode, stabiliser, essayer d'agrandir pour faire une partie agriculture par là-bas. Agriculture, chasse, avec tout ce qui s'ensuit. Donc taverne, production de pain, boucherie, etc. Je vous dis à très bientôt. C'était Thiob. Ciao.